Elle arrive dans combien de temps, elle? Ah, bientôt, là, elle arrive bientôt. Donc ici, on est où? À l'étage où il y a le bain et la salle à manger. On va visiter le bain. Non, on est à l'étage, hein, au premier étage. D'accord. Le bain et la salle à manger. Là, ils mettaient des matelas pour que les vieilles elles puissent voir la fête en bas. Alors, ils ne mettaient pas de mouche à rabier bien remplie comme ça. Ils laissaient comme ça pour qu'elles puissent voir. Et les jeunes filles, elles étaient là, elles regardaient la fête. Et il y avait des rideaux accrochés. Elles pouvaient voir sans être vues. Et les hommes, ils chantaient l'andalou en bas. Donc, en général, même pour le décor de la boiserie, on respectait. Il y a une vieille dame ici, une autre ici. Au milieu, on mettait comme ça, comme il n'y avait personne. Et là, on laissait comme ça pour qu'elles puissent voir. Ça, c'est le hammam. Attention, la tête, là. Oui. Il faut baisser la tête. Donc, si, c'était le hammam. Hein. Ouais. Et là. Là, il faut baisser la tête. On fait exprès de oui. baisser le mur pour que la chaleur ne s'en aille pas tout de suite. D'accord. On réduit les pièces pour des économies d'énergie, en fait. Voilà. Baisser la tête. C'était vraiment... Là, il y avait une ardoise, et entre les deux ardoises, il y avait du sable. Ils ont fait exprès d'enlever, juste pour qu'on sache que la vapeur, une partie des vapeurs des cuisines, vient ici pour chauffer la plaque. Et pour que les gens ne se brûlent pas, ils ont mis du sable entre les deux plaques. Et là, on ramenait l'eau des cuisines, les serveurs mettaient là. Du coup, on économisait la chaleur et on marchait pas trop pour ramener l'eau. Tout était calculé. Et le plafond est comme ça pour que les gouttelettes ne nous tombent pas sur la tête. Comme ça, elles glissent. Le long des parois. Glissent, le long des parois, elles descendent. Ah, c'est l'œil. Tout était calculé en fait. C'était les calculateurs. Là, il faut baisser la tête. Oui. On va voir la salle à manger. Très bien. Ah, t'as dit de baisser la tête. Oh là là, ça c'était la salle à manger. Hein. Il est décoré avec des fruits. Voilà, des fruits là. Des fruits? Oui, là on a des grenades normalement. Là normalement on a des pêches. Oui. D'accord. C'était les muscles parce qu'il y avait des lampes à huile. Là, des lampes à huile. Des lampes à huile étaient accrochées parce qu'il n'y avait pas d'électricité à l'époque. Même les étagères. Et ça c'était de l'époque aussi là c'est... Oui, ça a été. D'accord. Délabré un peu et les restaurateurs, ils ont refait. Les femmes qui ont squatté, elles mettaient de la chaux. Ils oui. ont dit, sans le savoir, la chaux, elle a préservé beaucoup de choses. D'accord. Le décès. Quand ils ont gratté, ils ont retrouvé. Ils ont servi le repas. Là, il y a les croissants dans la fenêtre, sur la fenêtre en dinanglais. Il y a trois croissants sur chaque fenêtre. Voilà, vous pouvez lui montrer aussi le canon, la mer. Ah ouais, le canon. Ouais. Ah. Malheureusement, il y a pardon, monsieur. Des canons qui sont en France, Yo. Mais on essaie de les récupérer. Ah oui. Ah ouais, parce qu'ils ont piqué les Français. Il y a beaucoup de canons qui sont en France. Des canons et le gouvernement algérien va essayer de... Essaye tout le temps. De récupérer les canons qui ont été pris par la France. Voilà. Et se trouve où exactement, vous m'avez dit, là, ces canons? Je ne sais pas exactement. Dans quelle ville là, vous n'avez pas. D'accord. Mais il faut chercher canon d'Algérie, je pense. Oui. Peut-être qu'avec Google, on pourra trouver. Donc, ils avaient été quand même, c'était quand même une forteresse, ils avaient quand même. Oui, ils surveillaient la mer, c'est pour ça qu'ils avaient la bien gardée. Il y avait du personnel. Ils surveillaient d'ici et surveillaient la citadelle à la Haute-Casbah. Et la Médina, en vérité, la Casbah s'appelle la Médina d'Alger. La Casbah, ce n'est que le nom de la citadelle. Alors là, c'est pour ça qu'ils disaient Alger l'a bien gardée. Il y avait un point de surveillance en haut, la citadelle, maintenant les restaurations sont terroristes, et ici. Donc, avec deux points de surveillance. D'accord. Et le mur, mais malheureusement, ils sont rentrés par ces défauts, donc ils sont venus par en haut. Voilà la clim, comme on a vu tout à l'heure. Ils mettaient un matelas et deux petites fenêtres. Oui, le même système tout à l'heure. Oui. Ils ouvraient. Et voilà, ah oui. La clim naturelle. Ah oui, effectivement... Là, elle est bloquée. Voilà. Comme quoi, avec rien du tout, on peut faire des grandes choses. Voilà.
Il suffisait juste d'y penser. Hein. Ah oui. Et ici, pour les lampes à huile, comme ça, quand le soir, quelqu'un va aux toilettes, il a un petit peu de lumière. Donc, il y a, pour que la bougie ne s'éteigne pas, il y a une bouche d'aération jusqu'en haut. Et là, ils mettaient une petite lampe à huile. Et les gens, quand ils vont dans le hostada pour aller aux toilettes, ils ont une petite lumière. Et là, il y a l'aération jusqu'en haut pour qu'elle ne s'éteigne pas. D'accord. Ah oui. Donc, ils utilisaient dans les réserves d'eau, la lumière. Et il y avait même certaines réserves pour la braise, pour chauffer. Donc, il y avait la clim naturelle, le chauffage naturel, l'huile, la lumière aussi. Tout était étudié. Non. Mais bon, ça c'est les ouvriers. Salam alaikum. Non, non. Non, ils veulent pas. Ah, ils veulent pas. Ils veulent pas. Moi, ça me dérange que l'habitude. Mais eux, depuis le terrorisme, la plupart des gens, moi je sais que. Attention, la peinture. Ouais. Voilà. Maintenant, on va aller vers un autre palais. Un autre palais. Il y en a trois. Enfin, il y en a plusieurs, mais il y en a qui font partie de l'administration. Nous, on peut en visiter trois. C'est vraiment beau partout, hein. Ah ouais. Et les escaliers, là, ils étaient faits en quoi? En ardoise. C'est de l'ardoise. Regarde, ceux qui ont été refaits, c'est comme ça. Et authentiques, c'est comme ça. Ceux-là, ils sont authentiques. Ils sont un peu dégradés. Oui, et ceux qui ont été refaits, c'est ceux-là. On va voir la totale. Il y a tout le temps des petits points pour les réserves. Oui, il y avait des placards. Là, il n'y a pas d'humidité pour le vin. C'est quoi? C'est un livre où il y a des modèles de céramique. Je peux le voir, hein, le livre. Ouais. C'est ça, hein. Oui. C'est la céramique. Moi, je l'apprends. Il y a même la calligraphie. D'accord. C'est joli, hein? Quelle exposition? Le coffre, il était beau là. Le coffre de la mariée. J'avais pas pensé à la mariée, mais il est beau quand même.
Allez-y, madame. Les fermoirs de l'époque. Là, il y avait la corde pour que ça se referme. Là, on mettait le crochet qu'on a vu là-bas. On le mettait là. Après, un coup de soupe là-bas. D'accord. Avec une corde et... Non, la corde, c'était pour qu'elle se referme. Oui. Mais le crochet, c'était pour fermer. Ouais. On mettait un poids. Ah, il mettait un poids sur la... sur, C'est pour gagner de l'espace en oui. Général. Il les faisait comme ça, il ne perd pas d'espace. Ah bah. Ça, c'est des designers qui exposent leurs objets. Ici ? Oui. Les designers, ils exposent. Là, on n'a pas le droit de prendre les objets. C'est interdit ici. Pour faire recopier les modèles. D'accord. Non, la cour, c'est pas interdit. Les objets, c'est interdit. Les objets, bon, je vais la regarder quand même. D'accord. Ce qui est tout à fait normal, hein. Oui, c'est normal. Pour qu'il fasse la copie. C'était vraiment beau, hein. Ah ouais. Et ça, c'était les. Pareil, c'est des objets. Non. Ah, c'est des designers qu'on a pas. C'est énorme. Ça, c'est de l'époque, le lustre, non ? Le lustre, non. Ils ont repris d'après un modèle d'époque. Ça, c'est un modèle d'époque ? Oui. La boiserie, elle est d'époque. La boiserie est d'époque ? Oui. Et on peut monter par là ? Oui, on peut monter. Après, d'accord. Tu vas voir, il y a un côté à l'ombre, un côté au soleil. Ah. C'est intéressant, ça. Parce qu'ici, d'après l'heure, le soleil tourne et... Chaque fois, c'est dans un coin que tu l'as. Si je vous prends, toi et ton ami, oui. En face, vous serez au soleil, la photo elle sera vraiment très belle. D'accord. Donc la maison, en fait, elle a été construite par rapport aussi au soleil. Non, non, elle a été positionnée. Maisons, non, toutes les maisons, elles sont comme ça. Pardon. Parce qu'il y a c'est ouvert. Donc toutes, il n'y a pas que celle-là, toutes elles ont. À une époque, il y a là le soleil qui vient. Une fois par là, une fois par là. Oui. Attends, je vais. À chaque moment de la journée, là, voilà. les pièces tôt. Sont éclairées. Voilà. Non, là, on n'a pas le droit. Oui. Si vous allez là, au soleil, et moi, je vous prends par ici. Voilà. Vous allez là-bas. Moi, je vous prends au soleil. Voilà. Bon, ben voilà. Comme c'est ça. Voilà. C'est bon. Voilà. Merci, c'est gentil. Merci. Les objets, on n'a pas le droit.